Un jour, alors que j'avais manqué la prière d'intercession, le Seigneur est venu et a parlé à l'Église. Il leur a dit, ainsi dit le Seigneur, demain chaque dame et sœur dans l'Église doit être préparée. Elles doivent mettre une short par-dessus leurs sous-vêtements. Les gens ont demandé au Seigneur pourquoi. Il leur a dit, demain pendant la prière, je vais prendre une sœur qui est préparée parmi vous, et je veux la transporter dans le monde des esprits pour voir et explorer le mystère du monde invisible, afin qu'elle puisse le révéler au monde. Je ne savais pas que la prophétie était sur moi. Le jour suivant, nous étions dans l'église, pendant le service, alors que nous étions en train de chanter de chansons de cantiques de louanges. Soudainement, je me suis effondré sur le sol et je suis entré dans le coma. Dès que je me suis retrouvé dans le coma, immédiatement j'ai vu deux anges de lumière resplendissants et scintillants. Ils étaient vêtus de blanc, je le voyais descendre du ciel. Ils ont atterri précisément là où j'étais effondré et allongé sur le sol. Aussitôt qu'ils sont atterris où j'étais, ils m'ont habillé avec un vêtement blanc, du blanc le plus pur. Après cela, j'ai vu une échelle qui allait de la terre et montait vers le ciel. Après avoir été habillé en vêtements de lumière, nous avons commencé à grimper cette échelle qui atteignait le ciel. L'escalier reliait la terre et le ciel. Alors qu'on approchait du sommet de l'échelle, mais alors qu'on montait, je me suis retourné pour observer la terre. Je pouvais voir que c'était vraiment très loin. Bien-aimé, une fois que nous avons atteint le bout de l'échelle, j'ai vu une grande ville qui était entourée d'un mur doré. Il y avait une grande porte avec une inscription qui disait « Tout est accompli ». Le mur était en jaspe et la ville en or pur, pur comme le verre. Les fondations de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. Je pouvais entendre la mélodie céleste et des éloges intenses. Mais je ne pouvais pas voir les gens qui chantaient à l'intérieur du mur de la ville. De loin, je pouvais voir deux anges brillants stationnés autour de la porte. Ils gardaient la porte. Ces anges gardiens de porte du ciel avaient des ailes. Je pouvais voir qu'ils tenaient des épées flamboyantes pour garder la porte. Alors que nous étions loin et on s'approchait du portail de la ville, du coup j'ai vu ces anges agiter leur épée flamboyante qui clignotait vers nous, et ils étaient prêts à les utiliser contre nous. Mais quand nous nous sommes rapprochés, ils ont vu que nous n'étions pas de l'ennemi et que nous étions de leur côté. Par conséquent, ils ont déposé leur épée flamboyante. Quand nous sommes arrivés à la porte, les deux anges ont demandé aux deux anges qui m'accompagnaient, « Qui est cette dame que vous avez amenée ?» Ils les ont répondu, « Elle est la sœur Sabine Tina. » Ces anges qui étaient gardiens de la porte ont répondu aux deux anges qui m'accompagnaient, « Vous n'avez pas amené la personne que vous étiez supposé amener. Vous aurez dû amener la sœur Janine au lieu de Mama Deborah. » En fait, la sœur Janine dont les anges gardiens de la porte se référaient était aussi membre de notre église. En revanche, les anges qui m'accompagnaient ont insisté sur le fait qu'ils étaient supposés me prendre, plutôt que la sœur Janine. Ils ont dit que c'était l'instruction qui leur était donnée, mais les anges gardiens de la porte leur ont répondu, « Vous avez amené la sœur Sabine qui est encore un païenne, un infidèle, elle n'est même pas un chrétien né de nouveau, et elle n'est pas encore baptisée. En conséquence, elle ne peut pas entrer dans la ville. Dieu voulait que la sœur Janine visite la ville céleste afin d'annoncer au monde ce qu'elle a vu. Bien-aimée, j'observais ces anges du ciel en train de discuter, c'était comme un désaccord et un débat entre eux. Puis un ange m'a demandé, « Sœur Sabine, es-tu baptisée ?» J'ai répondu à l'ange du Seigneur, « Bien sûr que je suis baptisée, mais comment pouvez-vous dire que je suis un infidèle? Je suis un chrétien et j'ai été baptisée. » Tout de suite l'ange me demanda, « Sabine, vous me dites que vous n'êtes pas un païen, êtes-vous baptisée? Et quel genre de baptême avez-vous reçu ?» J'ai dit à l'ange du Seigneur, « Bien sûr que je suis chrétien. J'ai été baptisé quand j'étais bébé dans notre paroisse. » Puis les anges m'ont dit, « Sabine, cela n'est pas du tout un baptême, car on ne peut pas baptiser un bébé. Le baptême est un engagement que seul un adulte peut prendre. » Le baptême est l'identification à Jésus-Christ dans la mort et la résurrection. En dépit de cette explication, j'ai quand même insisté sur le fait que quand j'étais catholique, j'étais baptisé. Enfin, l'ange du Seigneur me répondit, « Sabine, une fois que vous rentrez sur la terre, vous allez trouver un pasteur qui va vous plonger dans l'eau ?» J'ai dit à l'ange du Seigneur, « Bien, je comprends ce que vous venez de me dire, mais je voudrais voir les gens qui chantent les mélodies à l'intérieur de la ville. » Les anges m'ont répondu que je ne t'ai pas né de nouveau, ainsi je ne pouvais entrer dans le royaume céleste, car je n'étais pas un chrétien né de nouveau. La Bible dit, Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis. » Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
alors que nous étions devant la porte du royaume éternel de lumière. Un des anges gardiens de la porte a fait un appel téléphonique à l'intérieur de la ville, à la suite de ceci. Une autre ange flamboyant et éclatant est sorti de la ville dorée. Il portait un livre énorme sur ses mains, sur lequel il était écrit, le livre du baptême. J'ai remarqué que tous ces anges étaient brillants, clairs et vifs, éclatants, radieux. Ils avaient tous des ailes, mais ils se ressemblent à tel point que je ne pouvais pas les distinguer. Ce fut grâce à leurs différents styles de cheveux et leurs différents vêtements que je pouvais le différencier et le distinguer. Puis l'ange qui venait d'atterrir avec le livre du baptême me demanda, « Sabine, d'où viens-tu ? » Je lui ai répondu que je suis du Congo, originaire de la province du Bas-Congo, dans le territoire d'Ipamou. J'ai demandé à l'ange « Connaissez-vous cet endroit ?» Il me répondit, « Je le connais parfaitement. » Aussitôt, cet ange radieux a ouvert le livre du baptême, et il est allé aux pages du continent africain, et ensuite il ouvra les pages de la République démocratique du Congo, précisément dans les pages de ma province et mon district. Enfin, il a cherché et vérifié mon nom parmi les gens qui sont baptisés dans ce territoire du Congo. Cependant, il ne pouvait pas trouver mon nom dans la liste des gens qui étaient baptisés. Pourtant, j'étais baptisé quand j'étais bébé par le prêtre catholique dans la paroisse locale de mon district. Ainsi, l'ange de l'Éternel me dit, « Sabine, tu n'es pas dans la liste des personnes qui sont baptisées sur ce territoire. » Dès que l'ange du Seigneur me dit cela, j'ai commencé à palabrer avec lui. Je lui dis, « Mais comment pouvez-vous dire que je ne suis pas baptisé ? Comment pensez-vous que j'ai obtenu ce nom de Sabine ?» C'était le jour du baptême dans la paroisse que j'avais reçu ce nom. J'ai été baptisé dans l'église catholique quand j'étais bébé, et donc je faisais palabre à cet ange qui tenait le livre de baptême. J'ai dit à l'ange du Seigneur, « S'il vous plaît, vérifiez encore dans le territoire de Kikuit où j'ai eu ma confirmation. » L'ange prit son temps et vérifia dans le territoire de Kikuit. Toutefois, il ne pouvait pas trouver mon nom. Malgré cela, je lui ai demandé de vérifier dans la ville de Bandundu où j'ai laissé ma carte de baptême. Aussitôt qu'il a vérifié dans le page de cette province, il ne trouvait pas mon nom. Finalement, l'ange du Seigneur me dit, « Sabine, le baptême veut dire que tu dois être immergé dans l'eau. Par contre, l'aspersion de l'eau, ou le fait de sauter le feu ne sont pas de baptême biblique. » Ensuite, j'ai vu un ange qui se tenait non loin de nous. Il prit une sorte de téléphone et il a appelé l'ange de l'Éternel qui était l'ange de mon église sur la terre. En effet, chaque église sur la terre a un ange déployé par le Seigneur. Comme cela est bien écrit dans l'Apocalypse de Jean, la Bible dit, « Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. » Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Une fois que cet ange appela l'ange de mon église, il lui dit, « Dis aux gens dans l'église de cesser de chanter des louanges. Ils doivent commencer à intercéder parce que la sœur Sabine va tout de suite revenir à la vie. » Alors j'ai vu l'ange de mon église à travers le Saint-Esprit transmettre le message à l'église par la prophétie. J'ai compris que certains de prophéties sont des appels téléphoniques du ciel au peuple de Dieu dans leur rencontre. Plus tard, je suis revenu sur terre et j'ai réintégré mon corps. Chapitre 7, ma conversion. J'étais supposé être baptisé comme instruit dans le ciel mais j'étais obstiné, comme l'Esprit de Dieu insistait par la bouche des hommes de Dieu. Je me suis mis en colère et j'ai quitté l'église, j'ai décidé de ne plus aller à l'église. Quelque temps plus tard, j'ai rêvé d'une femme prêchant et évangélisant. Dans ce rêve j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, « Sabine, la femme qui prêche et évangélise c'est vous, c'est votre vocation, vous devez retourner à l'église. » Quelques semaines plus tard, pendant que je cuisinais dans ma cuisine, soudainement j'ai vu un œil me regarder. J'ai eu peur et j'ai commencé à utiliser le nom de Jésus-Christ et le réprimander. Ce n'était pas un rêve. Comme je faisais la prière d'autorité contre cet œil, immédiatement mon fils a commencé à prophétiser et a dit, « Sabine, ainsi dit le Seigneur, l'œil n'est pas un démon. C'est moi Jésus-Christ votre Dieu. Je suis venu pour te dire de retourner à l'église. » Malgré tout ça j'ai ignoré la parole de Dieu. Quelques jours plus tard j'entendis la voix audible de Dieu me disant, « Sabine, si le miracle qui ont arrivé dans votre vie s'était produit dans la ville de Sodome et Gomorre, ce peuple aurait été sauvé. Vous devez retourner à l'église. » J'ai dit à Dieu, « Étant donné que ces pasteurs insistent sur le baptême je ne reviens pas. S'il vous plaît trouvez une autre personne, bien-aimée. » J'étais un rebelle, comme Jonas qui fuyait la mission de Dieu. Comme je continue à ignorer les instructions de Dieu, il changea la stratégie. Dieu a permis au diable de me frapper de la pauvreté, de persécution et de la maladie. Mon mari me quitta et m'abandonna avec des enfants. Ceci n'était que le début de ma souffrance.
J'ai beaucoup souffert et ça a atteint un point où j'ai commencé à manquer de nourriture et de vêtements. Mes enfants allaient à l'école dans de conditions misérables, sans nourriture et sans chaussures. J'étais affligée par cette calamité. Une nuit, j'ai commencé à pleurer. Et mes enfants qui souffraient aussi de malnutrition m'ont rejoint et nous avons tous commencé à pleurer. Nuit-là, nous avons dormi dans la tristesse. Je dormais cette nuit-là, quand j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ dans une vision. Il me demanda, « Sabine, pourquoi pleures-tu ? » J'ai dit, « Seigneur, je ne peux plus supporter cette souffrance. Je n'ai plus qu'un vêtement. » Jésus m'a demandé, « Sabine, savez-vous pourquoi vous souffrez ?» J'ai dit, « Seigneur, je ne sais pas. » Jésus m'a dit, « Sabine, tu souffres parce que tu es têtu. Tu dois retourner à l'église et t'être baptisé. Alors tu sauras bien. » Étant donné que j'étais affligée par la pauvreté et la souffrance, j'ai décidé d'obéir pour mettre fin à mes souffrances. Quelques jours plus tard, j'ai été baptisée par immersion dans l'eau pour obéir au Seigneur. En conséquence, quelques jours après, j'ai reçu un paquet de ma famille. C'était un cadeau de grande valeur. Ceci a mis fin à notre calamité. Plusieurs jours plus tard, j'étais dans l'église quand un prédicateur m'a dit, « Vous allez enlever ce nom de Sabine. La personne qui vous a donné ce nom est une personne têtue. Il vous avait transmis son entêtement par son nom. Il y avait un pouvoir dans ce nom. » Puis le pasteur m'a donné le nom de Deborah. Malgré le fait que je venais de naître de nouveau, j'avais encore mon comportement du passé. J'étais une personne extrêmement colérique. Tout le monde dans mon quartier connaissait ma colère et mes habitudes de bataille. Je venais de naître de nouveau, j'avais encore mon comportement du passé. J'étais une personne extrêmement colérique. Tout le monde dans mon quartier connaissait ma colère et mes habitudes de bataille. Quand je commence une bataille, ça ne finira jamais, et je suis celui qui va le finir. Quelques jours plus tard, le Seigneur Jésus-Christ m'a demandé de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits pour le baptême du Saint-Esprit. Immédiatement, j'ai commencé 3 jours de jeûne et de prière. Quand j'étais dans la prière, le Seigneur m'a montré la racine de ma mauvaise caractère. Dans cette vision, j'ai vu un gorille qui est apparu devant moi. Il était le démon qui me manipulait dans le combat. Jésus-Christ m'a dit, « Sabine, demandez à votre mère ce qui se passa lors de votre naissance. » Plus tard, quand je parla à ma mère, elle m'a dit, « Quand vous êtes né, je vous ai lavé avec le crâne de singe afin que vous soyez plus fort. » Dis-je à ma mère, « Si tu voulais vraiment que je sois plus forte, pourquoi te plaignais-tu quand je me battais contre tout le monde dans le quartier ?» Je n'étais pas content à ce sujet, et cela explique pourquoi je suis allé apprendre toutes sortes de disciplines d'arts martiaux afin de me battre tout le temps. J'ai été baptisé dans l'Esprit Saint et j'ai commencé à parler en langue pendant ces 3 jours de jeûne et prière, mais le problème de ma caractère n'était toujours pas résolu. En fait, quand je me mettais en colère pour calmer cette colère, je devais détruire ou casser quelque chose autour de moi. J'étais très fort car j'avais un démon gorille en moi. J'avais expliqué comment ma maman m'avait lavé avec le crâne gorille. Le renversement de l'autel familial. Dans ce chapitre, Jésus-Christ me révéla les esprits qui contrôlent la vie des enfants de Dieu. Certains de ces esprits entrent dans nos vies lors de la naissance aux genèses de nos vies. Il y a donc des démons qui entrent dans nos vies lors de la naissance. Je me souviens quand j'étais né, une femme m'avait volé. Dès que la paroisse et le prêtre local m'avaient retrouvé, il y eut dispute entre ma maman et la dame qui m'avait volé. Lors de ces disputes, cette dame demandait que je sois départagée en deux, pour qu'elle prenne une moitié de mon corps. Wow. Depuis cet incident lors de mon enfance, j'ai remarqué quand je grandissais, la partie gauche de mon corps fonctionnait différemment de la partie droite. À chaque fois que je tombais malade, la partie gauche souffrait, mais la partie droite allait bien. Même aujourd'hui, ma main gauche est différente de ma main droite. Il y a le déséquilibre même dans ma façon de marcher, à cause de la manque de compatibilité entre mes deux jambes. Ma vie était comme séparée ou divisée. J'avais également remarqué ceci. Si pendant cette semaine je fais de bons rêves, la semaine suivante sera caractérisée par de mauvais rêves. Je me posais de questions à propos de ce manque d'harmonie et uniformité dans ma vie. Ce fut pendant la prière que Jésus m'a fait comprendre les paroles de cette dame, qui avait dit au prêtre devant ma mère, « Nous allons départager Sabine, je veux prendre une partie et mon contestant va prendre l'autre partie. » Jésus me dit, « Ce sont les paroles prononcées sur ta vie lors de l'enfance qui t'affectent de la sorte. Beaucoup de mes enfants souffrent à cause de paroles, des cérémonies et gestes qui ont été faits sur eux alors qu'ils n'étaient qu'enfants. Ils n'étaient même pas au courant de cela, mais ils sont tout de même affectés. Et tant qu'ils ne détruisent pas les liens et les jougs des démons de la jeunesse de leur vie, ils vont souffrir. Ils doivent chercher ma face dans la prière. La Bible dit, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Vous me chercherez, et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. »
dit l'Éternel, toujours dans le cadre de renversement des forteresses. Je me souviens un jour pendant ce programme de jeûne et de prière, Jésus parla et dit, « Deborah, le temps est venu de détruire les alliances familiales, les malédictions ancestrales et la tradition. » Jésus me dit, « Comme vous êtes le Moïse de votre famille, ils seront libres à cause de vous. Mais avant d'évangéliser votre famille, vous allez commencer par neutraliser les forces et les puissances familiales et ancestrales. Il y a tellement de puissances de ténèbres opérant dans votre famille. » La Bible dit, « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. » Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » C'est ainsi que le Seigneur m'a transporté vers l'autel de ma famille, là où les charmes et fétiches familiales étaient. Dans cette vision, j'étais accompagné par des anges de lumière, et on se dirigeait vers l'autel de ma famille. Quand nous nous sommes rapprochés de cet endroit où était l'autel familial, du coup, un éléphant est apparu devant nous. En fait, cet éléphant était un démon opérant dans ma famille pour plusieurs générations. Dès qu'il a apparu, les anges du Seigneur m'ont encouragé à le réprimander au nom de Jésus-Christ. Sans tarder, j'ai pris autorité au nom de Jésus-Christ et j'ai chassé cet esprit. À propos, je me souviens pendant l'adolescence, mes parents nous disaient que notre famille était protégée par un esprit de l'éléphant. À l'époque, j'étais un enfant et je ne pouvais pas comprendre de quoi ils parlaient. Mais ce jour-là, j'ai vu cet esprit de l'éléphant dont mon père me parlait, et je l'ai chassé au nom de Jésus-Christ. Puis nous avons continué à avancer. Au fur et à mesure, j'avançais avec les anges de l'Éternel vers l'autel familial. Soudainement, un autre esprit qui dominait ma famille surgit devant nous. Je pouvais voir que ce démon avait la forme d'un lion. Je l'ai chassé au nom de Jésus-Christ. Il était un des démons opérant dans ma famille pendant de nombreuses générations. Puis un grand serpent apparut devant nous. Ce serpent était un autre démon qui contrôlait et dominait dans ma famille. Je me souviens quand nous grandissions, mon père nous disait que quand nous mourions, nous deviendrions de serpents. Immédiatement, j'ai utilisé le nom de Jésus-Christ contre ce serpent et il a disparu. Les chrétiens doivent engager, lutter et vaincre les pouvoirs qui dominent dans leur famille. Sinon, il y aura des limites et des barrières à plusieurs niveaux. Quand je suis arrivé là où l'autel de ma famille était, j'ai brûlé les fétiches et charmes en présence des anges du Seigneur. Instruction sur la purification et sanctification. Puis le Seigneur Jésus-Christ m'a instruit de jeûner pendant 10 jours. Ce jeûne et cette prière étaient vraiment durs pour moi. Mais j'ai obéi à la voix du Seigneur et à toutes ses instructions. En conséquence, mon niveau spirituel a été catapulté. Dieu a ordonné à mes dirigeants d'écrire tout ce qui allait m'arriver pendant ces 10 jours de jeûne et de prière. À cette période, j'ai vu des visions et des rêves, et j'ai été révélé des mystères cachés. Pendant que j'étais dans 10 jours de jeûne et de prière, du 1er au 7e jour, le Seigneur m'enseigna le brisement. Jésus m'enseignait comment passer de l'enfance à la maturité spirituelle. Comment se débarrasser du vieil homme et comment crucifier la chair, parce que j'étais une personne colérique. Je me rappelle un jour alors que j'étais en prière, Jésus me dit, « Deborah, vous devrez abattre votre maison. » Quand le Seigneur me dit cela, j'étais dans l'église, immédiatement je suis allé à la maison. J'étais sur le point de détruire ma maison. Dès que mes voisins m'ont vu, ils ont cru que j'avais perdu la tête. Tout de suite, ils se sont pressés de m'arrêter. Immédiatement, j'ai entendu Jésus me dire, « Deborah, je parle de ta chair qui doit être crucifiée, non pas ta maison physique mais plutôt ton comportement. » La Bible dit, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Après cet incident, Jésus me dit, « Deborah, tu dois te brosser les dents afin de sentir bon devant Dieu. » Il était midi dès que j'ai pris mon brosse à dents pour brosser les dents. C'est alors que j'ai entendu Jésus me dire, « Deborah, je parle plutôt de la purification et de la sanctification. Si tu veux me servir, tu dois avoir un cœur pur et blanche, comme les dents blancs qui sont brossées régulièrement. » Jésus me dit, « Deborah, quand quelqu'un ne brosse pas ses dents, dès qu'il te parle, tu éloignes ta face pour éviter l'odeur, n'est-ce pas ? Pareillement, quand vous vous présentez devant mon trône avec un cœur méchant, malveillant et tortueux, je éloignerai ma face et je cacherai mon visage. Par contre, la sainteté fera en sorte que vous soyez un parfum de bonne odeur quand vous vous rapprochez devant le trône de Dieu dans la prière. En effet, tes péchés font que tu sens mauvais quand tu t'approches du trône de Dieu. Tu dois donc te purifier. C'est comme ça que tu pourras dégager l'odeur du parfum devant le trône de Dieu. Car ceux qui vivent dans le péché dégagent une mauvaise odeur devant Dieu. Puis Jésus me dit, « Deborah, je veux venir te visiter et vivre avec toi. Mais cependant, tu dois mettre de l'ordre dans ta maison. Pour cette raison, tu vas le nettoyer. » Le Seigneur me dit, « En premier lieu,
Tu vas commencer par enlever le toile d'araignée qui sont dans ta maison. Puis tu vas nettoyer tes propres vêtements afin qu'ils soient propres. Ensuite tu vas arranger ta chambre. Une fois que cela est fait, tu vas devoir allumer une lampe dans ta maison qui ne doit jamais se teindre. Sans tarder, je me suis mis au travail. J'ai enlevé tout le toile d'araignée qui était sur le toit de ma maison comme instruit par Jésus-Christ. Ensuite j'ai nettoyé la maison. Puis j'ai lavé tous mes habits et j'ai fait la lessive. Enfin j'ai arrangé ma chambre et j'ai allumé la lampe. Puis je me suis reposé pour attendre l'arrivée du Seigneur qui devait venir me visiter. Alors que j'attendais le Seigneur, tout à coup j'ai entendu sa voix. Il me dit, « Deborah, la maison dont je vous ai demandé de nettoyer n'est pas physique. À vrai dire, je parle de votre cœur. Chaque jour vous devez apprendre à nettoyer votre cœur en confessant vos péchés et en renonçant à vous-même. Chaque jour vous devez crucifier la chair afin de remettre de l'ordre dans votre maison. » La Bible dit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Jésus me dit, quand je t'ai demandé de laver tes vêtements, je voulais dire que tu dois te purifier et te sanctifier. Les vêtements propres veut dire les bonnes œuvres de la justice. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. La Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ensuite le Seigneur me dit, Deborah, quand je t'ai demandé d'enlever les toiles d'araignée dans ta maison, je voulais dire que tu dois sortir de coutume, de rite et de tradition de la maison de ton père et de ta mère. Tu dois sortir de l'idolâtrie, du fétichisme et de la superstition de ta tribu. Le Seigneur Jésus dit, Deborah, la lampe que je t'avais demandé d'allumer, qui ne doit jamais se teindre est la prière d'intercession, auquel tu dois vaquer tout le jour. Rappelle-toi, je t'ai dit de ne jamais éteindre cette lampe. En d'autres termes, tu dois prier jour et nuit. Tu dois prier sans cesse. Tu dois toujours prier. La flamme de la prière ne doit jamais se teindre. Jésus dit, je t'avais demandé de mettre le rideau dans ta maison. Je voulais dire que dans la mesure où tu es ma servante, tu dois être prudent dans ce monde. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. La prudence doit vous caractériser. Vous devez savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Jésus me dit, donc je ne parlais pas de la nettoyage que tu venais de faire dans ta maison. Frères et sœurs, durant le cinquième jour de ce jeûne et prière, le Seigneur me dit, Deborah. Aujourd'hui c'est le 25 décembre, c'est votre Noël, ne ce pas? Je n'avais pas compris pourquoi Jésus m'a dit c'est votre Noël, et il ne m'a pas expliqué pourquoi. Puis il me dit, vous allez donc préparer du poulet et vous allez manger. J'ai donc préparé le poulet comme instruit par le Seigneur. Lorsque la nourriture était prête, j'étais sur le point de manger la nourriture qui a été préparée, quand soudainement j'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit, Deborah, toi tu dois manger les os mais pas la chair, ainsi donc. Alors que tout le monde mangeait le poulet, ils m'ont donné les os, et alors que je mangeais les os, du coup le Seigneur me dit, « Deborah, comment pouvez-vous manger alors que vous êtes en jeûne et prière ?» Jésus me dit, « Quand j'ai parlé des os, je parlais de la nourriture solide. Vous devez croître spirituellement et manger la nourriture solide, mais vous êtes toujours dans le lait. » Puis le Seigneur Jésus dit, « Deborah, quand je t'ai demandé d'arranger la maison, je voulais dire tu dois aussi me servir en ordre. » Bien-aimé, au cinquième jour de ce série de jeûne et prière, Jésus me dit, « Deborah, dès aujourd'hui, tu vas te laver avec le savon bouillant, et tu vas utiliser un lotion ayant l'étoile. Tu vas également laver tes enfants avec ces savons et ces lotions, et quiconque te visite tu vas lui donner ces savons afin qu'elle puisse se laver les mains. » Je dis à Jésus, « Seigneur, mais ce savon bouillant rend le gens très noir. » Il me dit, « Non, ça va pas arriver. » Sans tarder je suis allé au marché et j'ai acheté le savon bouillant. Ensuite j'ai cherché le lotion ayant un étoile, mais aussitôt que j'ai parlé à mes pasteurs à propos des instructions du Seigneur, ils m'ont dit que je perdais la tête. Puis je suis allé me laver avec le savon et le lotion recommandés par le Seigneur. Et pendant que je me lavais, du coup j'ai vu une lumière intense descendre dans la salle de bain. Je ne pouvais pas comprendre la signification de ceci. Quelque temps après, j'ai lavé mes enfants avec ces savons et je les ai frottés avec le lotion recommandé par le Seigneur. Au fil du temps, j'ai commencé à imposer les gens qui me visitaient ce savon et ce lotion. Enfin, un de ce jour le Seigneur me dit, Deborah, pourquoi ne comprenez-vous toujours pas ces choses? Il me dit, quand tu te laves avec l'eau avec le savon, tu dois savoir que l'eau avec laquelle tu te laves est la parole de Dieu.
À chaque fois que tu lis la Bible et écoutes la parole de Dieu qui est l'eau de la vie, tu es lavé et nettoyé. Le savon dont je t'ai parlé est mon sang, qui te nettoie et te purifie quand tu lis la Bible et tu écoutes ma parole. Ainsi donc, à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, tu es lavé par l'eau qui est la parole, et mon sang te purifie. Mon sang enlève tes péchés et la nature adamique. Une fois que tu es lavé et purifié par ma parole, c'est alors que je te revêtue et te remplis de la puissance et de l'onction de mon esprit qui est ici symbolisée par la lotion que je t'avais recommandée, Deborah. Plus tu lis la Bible et plus tu écoutes ma parole qui est l'eau, tu seras purifié par mon sang qui agit comme un savon, et plus tu es purifié par l'eau et le sang, c'est alors que ma puissance et mon onction va te remplir. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Puis le Seigneur Jésus me dit, « Deborah, quand je t'ai dit que tes enfants doivent aussi être lavés, je voulais dire que tes enfants aussi doivent me connaître. Tu dois les enseigner ma parole. Quand je t'ai dit que les visiteurs qui viendront te visiter doivent se laver avec ce savon, je voulais dire que tous celui qui viendra te visiter chez toi, tu dois leur parler de la bonne nouvelle de l'Évangile, afin qu'ils puissent me connaître et soient aussi purifiés. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Jésus me dit, « La mission que je te donne est ceci, tu dois me connaître, tes enfants doivent me connaître, ta famille doit me connaître et tes amis doivent me connaître. » Alors que je parlais à Jésus, ma famille qui m'entendait parler ont eu peur. Ils se sont reniés afin de me transporter à l'hôpital car j'avais maigri dans ce jeûne, et quand je parlais à Jésus, ils pensaient que je parlais seul et j'avais perdu la tête.